si froid. J'ai besoin de chaleur. Vite. Je dois me réchauffer. J'ai besoin de chaleur, vite. Un feu, vite. J'ai besoin de chaleur, vite. Trop froid. C'est impossible. Monseigneur, venez vous reposer près du feu. Merci. Comment vous sentez-vous? Ma fierté souffre plus que mon corps. Cette montagne est impitoyable. Qu'espériez-vous trouver à son sommet? Des réponses. Le pouvoir. Quelque chose. Une épée enflammée n'aurait pas été de refus dans un endroit pareil. Comme vous dites. Vous viendrez à bout de la montagne. Bonne chance, monseigneur. Chaleur, vite. Un feu, vite. Allez, allume-toi. Jamais eu aussi froid. Je dois me réchauffer.
quelqu'un a construit un dojo ici. Bienvenue, monseigneur. Appelez-moi Beto Maru. Jin Sakai. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Je me demandais si quelqu'un viendrait jusqu'ici. Vous cherchez la voie du feu. Les envahisseurs de l'Ouest, armés d'épées enflammées, menacent Tsushima. Ils ont rapporté le présent que leur avait offert mon ancêtre. Enseignez-moi, Beto Maru. Un samouraï montrera aux Mongols le véritable pouvoir de votre voix. Ramassez une pierre, et nous nous affronterons en duel. Alors seulement, vous pourrez apprendre la voie du feu. Je dois maintenant affronter Beto Maru et apprendre sa technique. La voix du feu est intransigeante. À présent, frappez votre lame contre la pierre que vous avez choisie. Encore une fois, laissez-vous guider par la voie du feu. Notre combat s'achève ici, monseigneur. Bien. La voie du feu ne se prête pas aux duels amicaux. Je m'en servirai contre les ennemis de Tsushima. Vous avez acquis la voie du feu. N'oubliez jamais qu'elle est un don tombé du ciel, Seigneur Sakai. Désiriez-vous autre chose, Seigneur Sakai ? Je n'imaginais pas découvrir un tel endroit. Mes ancêtres se sont entraînés à la voie du feu ici, à l'écart de toutes les distractions du monde. Et vous, alors ? J'ai pour rôle de transmettre mon savoir à tous ceux qui le méritent. D'autres viendront peut-être apprendre la voie du feu.
Dépêche-toi. Je vais me reposer un moment. Huh?
Ugh.